Jean-Manuel. Oui. Et il y a quel club? Oui, il y a un club du Gros Monde. On va manger. Bien bonjour à tous. Voilà, nous sommes en compagnie d'un coureur, Jean-Manuel, du club de Gaumont. Hein. Alors donc, on va l'interviewer. Bien bonjour, Jean-Manuel. Comment ça va? Ça va. Bon, et comment ça a été aujourd'hui? Comment tu te sens après l'effort de ce matin? Alors, je me sens un peu fatigué, mais bon, c'était une étape assez compliquée aujourd'hui. Mais bon, on va voir pour la récupération, pour essayer de finir l'étape de demain. D'accord. Et c'est ton premier tour de la Martinique ou alors tu as l'habitude? Oui, c'est mon premier tour. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu sens que les entraînements que tu as fait sont à la hauteur de ce tour-là? Oui, je pense que oui. Je me suis bien préparé pour le tour de Martinique. Mais bon, on va dire que le niveau est assez élevé cette année. Mais bon, l'objectif cette année, c'est d'essayer de finir le tour. Oui, oui, c'est très bien. Oui, puisque dès qu'on veut un peu, il faut tenir bon. Et puis, voilà. Donc, alors, à ce moment, ce qu'on peut te demander... Quand tu regardes à côté de toi les gens qui travaillent, et en équipe, vous êtes là, vous travaillez à 6 et vous êtes toujours à 6, vous êtes parti à 6 et vous êtes toujours à 6 jusqu'à aujourd'hui. On a une assez bonne équipe qui est bien préparée et on espère pouvoir tous finir ensemble. Oui, c'est très important. Oui. Alors donc, une chose, c'est que on voudrait savoir si, par exemple, demain, ce sera l'arrivée, va être, comment dirais-je, le départ se fera, je pense que c'est dans le sud. C'est demain que ça part dans le sud. Oui, je pense, et que ça arrivera dans le nord, qui veut dire Makouba, je pense que c'est ça. Sainte-Marie, ça arrive à Sainte-Marie. Bon, qu'est-ce que ça va te faire? Qu'est-ce que tu n'as pas l'habitude, mais pour une première comme ça, pour c'est pas repartir demain matin au même endroit à Trinité ou repartir à Trinité, ce sera de repartir dans une autre commune pour arriver de l'autre côté. Comment ça va? Ça va. Après demain, on passe dans notre commune de Gaumont, donc on va essayer de mouiller le maillot et puis finir l'étape. Ce qui est bien, c'est que l'ensemble des... Il y aura beaucoup plus de villes, de communes qui pourront participer au tour cycliste quand c'est comme ça. Mais je pense que ça va faire un décalage en quelque part aussi. Oui, on peut dire ça comme ça. D'accord. Eh bien, très content de t'avoir rencontré. On t'encourage. En DFM Martinique, toute l'équipe te souhaite que de bonnes choses. Bon courage. Et puis, te dis à bientôt. Et dès demain, si tu veux, on sera à tes côtés. OK? Merci. À plus tard. C'est quoi votre prénom? Alors, je suis société. Ouais. Ton prénom, c'est quoi? Baptiste Rizal. Baptiste Rizal. Baptiste Rizal. Rizal. Oui, bien bonjour, Baptiste Rizal. Andy FM Martinique, ça fait un réel plaisir pour t'interviewer et te demander comment ça s'est passé le tour, enfin, l'étape, comment tu as pu te défendre aujourd'hui? Alors, déjà, bonjour. Étape très rapide, quand même assez compliquée avec le changement de température avec la pluie et le soleil. Voilà. On a essayé de gérer. Bon, le début a été très rapide. Malheureusement, j'ai pas su m'agripper au peloton, donc je me fais lâcher de Saint-Joseph. Mais je rencontre un groupe de lâchés, on s'organise et on essaie de limiter la casse jusqu'à l'arrivée. Et voilà. Oui, de toute façon, c'est la participation qui compte, il faut faire avec. Mais
C'est ton premier tour ou tu es en Martinique ou quoi? C'est mon premier tour, en effet, puisque normalement, j'ai pas trop l'âge pour faire ça, puisque en temps normal, je suis toujours coureur licencié sur la licence junior. Donc, pour moi, c'est une découverte et on essaie de finir au mieux qu'on peut au fil des étapes et d'essayer de prendre la température et de s'amuser aussi, puisque c'est une découverte. Exact. Donc, mais dans la découverte, est-ce que tu penses que tu reviendras pour mettre les choses, mettre les pendules à l'heure? Reste à voir comment je récupère. Pour l'instant, c'est pas encore ça, mais on essaie de limiter la casse et de finir au mieux qu'on peut. Et on est très heureux d'être là. Eh bien, on te remercie beaucoup d'avoir donné ton opinion. Et puis. De savoir comment tu te sens après ce travail-là. Donc, tiens bon, on te souhaite un bon appétit et puis te dire bon, ben, de tenir bon pour demain matin. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci de m'avoir interviewé et continuez comme ça. Merci beaucoup, on est là pour ça. Merci. Merci. Allez. C'est bon.